Zinedine, merci beaucoup d'être avec nous. Quel triomphe d'entrer dans cette salle, et c'est bien mérité. Moi, Didier, vous avez un rapport particulier avec Zinedine. En effet, Zizou, je peux t'appeler Zizou. Hein. Ah bah oui. Tu sais que tu es mon idole. Ouais. Mon premier match en Ligue des Champions, c'était en 2003 à Bernabeu face au Galacticos. Je marque, on perd 4-2. Et là, après le match, je change de maillot avec un de tes partenaires et à la fin, tu viens, tu me tapes à l'épaule, tu me dis « Didier, on peut changer de maillot ?» Et je suis tellement énervé parce que j'en ai plus. Et là, tu me dis « C'est pas grave, c'est pas grave. Par contre, au match retour, ne m'oublie pas. Hein. » Et moi, pendant 2 mois, avant le match retour, je suis là à penser à ce maillot que je vais donner à Zinedine Zidane. Le match retour arrive, je suis dans le tunnel, concentré, focus pour gagner ce match. Et là, tu me tapes sur l'épaule encore. Je me retourne, tu me dis « J'espère que tu ne m'as pas oublié. Hein. » Et mon premier réflexe, c'est de vouloir l'enlever et de te le donner. Et tu dis non, 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 après le match. Ça, mesdames et messieurs, c'est l'effet Zinedine Zidane. Ah, je voulais savoir. Hein, je l'ai mis où, mon maillot? Je m'en souviens plus de cette année. Donc. Ah, moi, je m'en souviens. D'ailleurs, Didier, il est où, votre maillot? Ah, son maillot? Oui. Il est dans ma chambre, au-dessus de mon lit. Et vous, Zinedine, vous avez gardé celui de Didier, évidemment. Oui, bien sûr. Sur, au-dessus du lit aussi. Il est dans la collection, il est dans la collection. Zinedine, vous avez remporté le Ballon d'Or en 1998, un moment très fort, évidemment, dans votre carrière. Qu'est-ce que vous retenez de ce Ballon d'Or dans votre vie? Écoutez, vous faites tout pour gagner, quand vous êtes footballeur professionnel, de gagner une Coupe du Monde. Et forcément, ça donne l'occasion de pouvoir gagner un Ballon d'Or un jour, et c'est ce qui m'est arrivé en 98. Donc voilà, c'est un grand moment. Je pense que je vois tout ce parterre de joueurs, de joueuses, en fait, qui sont magnifiques. Bon, on a pris quelques années, nous, mais c'est vrai que c'est des grands moments. Enfin voilà, c'est des grands moments de retrouvailles, de se retrouver pour des moments comme celui-ci. Quand on gagne, eh ben, on est heureux.